Bonjour Julie Gallier. Bonjour. Alors nous recevons aujourd'hui une jeune artiste peintre qui vient pour le Salon déco de La Rochelle qui a lieu à l'Espace Encan du 23 au 26 octobre. Et donc nous sommes très heureux de la recevoir sur Web TV Info. Alors cette jeune artiste peintre est née à Clermont-Ferrand et puis est arrivée en 1994 à Royan. Et là vous avez fait une belle rencontre. Oui, tout à fait. Donc, je suis arrivée en quatrième et j'ai rencontré donc mon prof de dessin de l'époque, Monsieur L'Aigle. Et c'est en fait, je pense, la personne qui m'a donné l'inspiration pour peindre des femmes nues. Je me souviens qu'en cours, il faisait ses propres œuvres, il dessinait des femmes avec souvent les seins nus et c'était toujours magnifique. Et voilà. Ça, et j'ai commencé à dessiner des femmes nues à ce moment-là. Donc, évidemment, donc, vous n'avez pas cessé depuis, mais comme il faut bien vivre, vous avez donc continué vos études de commerce, que vous continuez peut-être maintenant, vous êtes dans la vie active. Oui, tout à fait. Là, je suis secrétaire à mi-temps, ce qui me permet quand même à côté de beaucoup peindre et faire toutes les expos que je veux. Donc, effectivement, c'est en 2010 hein, où vous avez décidé là, de donner un peu plus de place à votre art. Et d'essayer eh bien, d'en vivre. Donc pour l'instant, c'est un peu difficile. Vous avez quand même une page Facebook où on peut voir vos œuvres. Oui, voilà. La page Facebook sert énormément pour mon travail. Et c'est ce qui me permet vraiment de faire voyager un petit peu mon œuvre et de vendre surtout. Alors, vous peignez, vous faites des grands formats, mais aussi peut-être des moyens formats. Oui, tout à fait. Alors, j'ai fait une expo l'an dernier où j'ai fait vraiment du très grand format, du 1m20 par 1m50. Et là, je reviens à un format un peu plus classique, 80-80, beaucoup pour la plupart, ce qui me permet de faire plus en détail. Voilà, mais je reviendrai sûrement au grand format. Et, voilà, je varie. Alors, vous peignez à l'acrylique, est-ce que c'est un choix délibéré ? Oui, en fait, j'ai commencé à l'acrylique. J'aime beaucoup la texture. Et puis surtout, je n'avais pas la patience de l'huile, où il faut attendre plusieurs semaines. Je ne suis pas patiente du tout. Là, j'ai un tableau qui est en cours, qui sera fini que demain, mais je pourrais l'accrocher quand même au salon. D'ailleurs, vous en réservez la primeur pour le salon. Tout donc, à fait. C'est vraiment à découvrir. Et donc, vos toiles sont vraiment très contrastées parce qu'il y a du noir, du blanc et surtout du rouge. Le rouge, synonyme de passion, d'érotisme peut-être. Alors oui, on me parle souvent d'érotisme. Je reste dans le sensuel plutôt. Mon maître mot, c'est vraiment le sensuel, l'amour. Et c'est vrai que la touche de rouge est quand même sexy et c'est moi, quoi. Est-ce que vous avez une inspiration ? Enfin, est-ce qu'il y a des femmes qui vous ont inspiré ? Toutes les femmes m'inspirent, je trouve les femmes magnifiques. J'aime beaucoup Dita Van Teese dans ce qu'elle représente, justement cette pin-up, ce rouge aux lèvres, ce contraste, la peau blanche-neige, par voilà, exemple. Voilà, voilà beaucoup, beaucoup d'actrices magnifiques. Et, voilà, j'aime les hommes, mais j'aime beaucoup les femmes aussi. Alors d'ailleurs, pour parler des hommes, je crois que vous avez quelques croquis, enfin quelques tableaux représentant des hommes, mais là, vous vous inspirez plutôt de la version grecque, en fait, des hommes, bien virils, alors c'est vrai avec que des beaux abdominaux. Voilà, c'est vrai que je peins des femmes, en général, avec des formes, avec ce qu'il faut là où il faut, mais l'homme, je le peindrais plus abdos, tablettes, pecs, voilà. Oui, voilà. C'est. Donc vous allez en faire de plus en plus, enfin, je ne sais pas encore. J'ai tenté, mais je reviens toujours à la femme quand même. C'est plus rond, c'est plus voluptueux et je fais aussi des couples. Alors j'ai fait beaucoup de personnes qui s'embrassent, tout ce qui a trait à l'amour en fait. Mais oui, je pense que je viendrai quand même à une série sur les hommes. Alors en fait, pour que l'on imagine, vous suggérez plutôt que vous ne décrivez, enfin vous. Et surtout, vous évitez de faire les visages. Donc, c'est pour justement se concentrer sur les corps. Oui, tout à fait. Le visage, d'abord, c'est très compliqué de rendre vraiment. Enfin, je suis pas portraitiste. Je préfère que la personne puisse suggérer, que ce soit suggéré, que chacun puisse s'y retrouver. Voilà.
Donc, alors, il y a eu aussi quelques tableaux qui représentaient des chaussons de danse. Je voulais savoir si vous aviez donc fait de la danse. Oui, j'ai cette passion. D'ailleurs, j'ai dû arrêter l'an dernier. J'avais repris la danse il y a 3 ans. Et par rapport à mon boulot et mon œuvre qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, je fais beaucoup d'expos, j'ai plus le temps, malheureusement. Alors, je danse en boîte le week-end, de temps en temps. Mais oui. En plus, et c'est votre âge, voilà. J'allais dire. C'est ça. J'ai fait une expo l'an dernier, justement, sur le thème de la danse. Alors, je sais qu'effectivement, votre thème, c'est donc la femme, surtout, pulpeuse, on va dire, et puis surtout le mouvement. Donc, en fait, vous essayez toujours de rendre un mouvement rond et continu, en fait, dans vos œuvres. Donc, c'est très joli. Oh, merci. Et oui, j'essaye de... Alors, ça a justement débuté toujours par cette expo de la danse où, justement, il fallait qu'il y ait du mouvement sur la toile. Et ce qu'on m'a beaucoup dit que c'était réussi. Et donc, c'est resté. Et voilà, mes œuvres vivent. Donc là, vous avez exposé hein, à Rivedoux, enfin sur l'île de Ré. Vous avez une galerie à Royan, je crois, qui s'appelle la Galerie Simon. Est-ce que vous continuez d'exposer là-bas ? Alors non, la Galerie Simon, c'est une galerie qui est tenue par la mairie. Oui. Et j'ai fait une expo là-bas qui s'appelait Valentine et c'était à l'occasion de la Saint-Valentin. D'accord. Donc, et je pense que ça a eu du succès, peut-être ? Oui, ça a été une des premières expos qui m'ont fait connaître. Grâce après aux articles de journaux et donc dans la région, voilà, sur Royan. Alors sur La Rochelle, l'année dernière, vous étiez donc à la galerie Esquier, la galerie qui est dans l'enceinte de la SNCF, de la gare. Et là, je pense que vous avez peut-être dû trouver un public qui était un peu étonné de voir vos œuvres. Oui, c'était assez atypique dans la gare. Oui, j'ai eu un bon public et ça a étonné un petit peu, oui. Alors, je pense que vous allez avoir du succès lors de ce salon déco. Vous avez des projets après ce salon ? Oui, alors j'ai pas mal de projets pour 2016. Bon, là, j'ai une expo dans un bar actuellement à Niort. Et là, ça va être transféré dans un autre bar. Donc ça, j'aime bien. C'est des lieux atypiques pour exposer. C'est ce que je recherche le plus possible. J'aime bien quand ça change un peu de l'ordinaire. Donc là, dans un bar à Bordeaux. D'accord. Donc voilà, après je vais exposer aussi à Angers, en Vendée, et surtout j'ai une un gros projet sur Bordeaux, mais dont je ne peux pas parler encore. C'est quelque chose de très important et je préfère... Voilà, qu'il y ait un début de réalisation, j'espère que vous nous tiendrez au courant. Bien sûr. Et alors, il me semble aussi qu'il y a peut-être des projets à l'étranger. Oui, alors j'ai un client, tous mes clients deviennent des amis. J'ai un client qui habite Las Vegas et voilà, il m'a pris 2 bébés, comme je les appelle, et 2 reproductions, car je fais aussi de la reproduction, de mes œuvres. Donc il m'a pris ça et il est vraiment très intéressé pour qu'on travaille ensemble, voir ce qu'on peut faire en tout cas. Donc j'ai projet déjà d'aller là-bas, de retrouver mes bébés et voir ce qu'on peut faire un peu ensemble là-bas. Donc alors Julie Gallier, donc bonne chance en fait hein, pour votre avenir et puis surtout on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.